la mort de la riche tante Bertille, la branche fauchée de la famille, Brigitte et ses enfants, espéraient bien profiter de l'héritage. Mais Bertille n'aimait pas trop ses neveux. Et alors, tu ne parles pas de tes enfants? Encore des problèmes? Elle préférait leur cousine, Héloïse. Bertille vous a déshérité. Il ne faut plus jamais se perdre de vue. C'est trop important, la famille. Ah, la famille. On m'aura pas un sou. Non, dis pas ça. J'ai signé le bail d'ici, moi. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout. En me léguant cet argent, elle me charge de veiller sur vous. Enfin, Héloïse, t'as quand même autre chose à faire qu'à veiller sur nous. Mais non, pas du tout. On est tous majeurs et vaccinés. On n'a pas besoin de quelqu'un. On a juste besoin de thunes. On pourrait se prendre un petit week-end au Cotteret tous ensemble. Vous me présentez des projets qui vous tiennent à cœur et j'investirai l'argent de Bertie dedans. Pourquoi tu fais tout ça pour nous, Héloïse? Pour la première fois, c'est moi qui décide de tout, c'est génial. T'es vraiment sûr qu'on s'est pas fait acheter? J'ai un mauvais pressentiment. Temps de reprendre les choses en main. Viens là. Je crois quand même que c'est Paul qui a raison de garder ses distances. Mais j'en peux plus, moi, c'est trop de pression. C'est vraiment une pure manipulatrice. Les choses s'arrangent toujours. Même mal.